S'aimer, convoler, se promettre et s'engager sont les premières idées associées au mariage. Mais faut-il un contrat ? Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Marie-Clémentine Prouvot. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Dans quelles circonstances un contrat de mariage est-il nécessaire ? Alors, ce n'est pas tant le contrat de mariage qui est nécessaire, c'est la réflexion qui est nécessaire. D'abord, tout le monde bénéficie d'un régime matrimonial, c'est-à-dire que vous ayez choisi un contrat de mariage ou que vous n'en ayez pas régularisé, vous êtes toujours soumis à un régime matrimonial. À défaut de contrat de mariage, c'est le régime légal, la communauté de biens réduite aux acquis qui s'applique. Et ce régime-là, vous avez la possibilité de le changer, c'est-à-dire de choisir, avant votre union, d'adopter un contrat de mariage différent si la communauté de biens n'est pas adaptée à votre situation. Comment choisir son régime matrimonial ? Alors, le régime matrimonial doit être choisi au vu des situations de chacun. Les situations, c'est la situation familiale et la situation professionnelle. On n'aura pas le même choix de régime matrimonial si on est face à des jeunes fiancés, salariés, qui n'ont pas connu de précédentes unions, qui n'ont pas d'enfants de lits différents, que par rapport à un chef d'entreprise ou encore par rapport à des époux divorcés. On s'orientera beaucoup plus vers des régimes séparatistes que vers un régime communautaire. Est-ce possible de modifier un contrat au cours d'une vie de couple et cela engage-t-il des frais ? Oui. Alors, on va revenir sur la modification. Ça coûte toujours moins cher d'anticiper, c'est-à-dire que ça coûte toujours moins cher de régulariser un contrat de mariage avant le mariage. On est aux alentours de 400 euros pour un contrat de mariage qui est régularisé avant l'union. Pour une modification du régime matrimonial après le mariage, et qu'il y ait eu un contrat de mariage ou pas, hein, ça peu importe, il y a plusieurs règles à respecter. D'abord, on a une durée de 2 ans après le mariage, pendant laquelle il est totalement impossible de changer de régime matrimonial. On a cette durée de 2 ans qui est fixe. Ensuite, c'est possible de changer de régime matrimonial. C'est plus ou moins compliqué, c'est-à-dire que quand vous avez des enfants mineurs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une intervention du juge pour confirmer que le changement de régime matrimonial ne va pas à l'encontre de l'intérêt des enfants. Quand les enfants sont majeurs, c'est possible également. On n'a plus d'intervention du juge dans ce cas-là. On a une information qui est transmise à chacun des enfants majeurs. Ils ont une possibilité de s'y opposer, évidemment, il faut avoir des motifs légitimes pour pouvoir le faire. Mais c'est une procédure voilà, un petit peu plus compliquée que de régulariser un contrat de mariage avant l'union. Cependant, même si la modification peut paraître un petit peu compliquée, un régime matrimonial, c'est aussi fait pour évoluer au fur et à mesure de la vie. C'est-à-dire que quand vous vous mariez à 25 ans, que monsieur et madame sont chefs d'entreprise et qu'on a opté pour une séparation de biens, pour des craintes, qu'elles soient des craintes vis-à-vis des créanciers ou des éventuelles craintes de divorce, ce régime matrimonial-là, il n'est plus forcément adapté quand on a un couple qui a subi les épreuves de la vie et qui a 40 ou 50 ans de mariage et qui va chercher plutôt à se protéger en cas de décès. Dans ce cas-là, on pourra revenir à un régime communautaire qui favorisera les droits du conjoint survivant. Séparer ses biens ou mettre tout en commun, à chacun de décider. Merci maître Prouvot. À bientôt Sonia. À très bientôt dans Visite Immo.